Nous étions à l'épisode avec Laura et Nicolas. Enfin, les ados, mais là, on se trouve sur Nicolas et Laura, du coup. Vous avez, donc, elle était enceinte. Donc, je l'ai mis enceinte. Du coup, après, on fera peut-être encore un enfant sur notre famille. Donc, on a déjà une grande fille, en fait. Mais, du coup, elle a accouché de deux petites jumelles. Donc, franchement, je suis trop contente. Donc, je suis en train de faire leur chambre. Je vais montrer les tout petits bébés trop choux. Franchement, ils sont juste trop choux. Donc, regardez-moi ces petits. C'est trop chou. Puis, on a la deuxième. Donc, c'est Clara et Clarissa. Voilà. Donc, je leur ai mis une petite peluche licorne. Je suis en train de leur faire des petits jouets et tout. Voilà. La maison des poupées est trop mimi. Leur petit bac pour jouer. Donc, je montre un peu la maison. C'est trop chou, on dirait trop une vraie maison. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, franchement, là, je suis en train de leur faire leur chambre et tout. C'est juste magique. Donc, aussi, il faut que je vous dise que mon lit, il a craqué du coup. Je dors là-dessus. Sur ce matelas. Bon, après, j'ai des trucs pour m'occuper et tout. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai pas aussi un truc pour m'occuper. Donc, on va s'occuper de cette famille. Des petits jumelles et aussi, voilà. Je leur ai mis des petits cubes et tout. Vraiment, trucs pour jouer, quoi. Un peu partout, quoi. Des petits jouets un peu partout. Donc, on va mettre... Allez, on peut mettre aussi un petit robot, non? On va mettre aussi un petit pingouin. Ici, on va mettre plein de petits jouets. Donc voilà, on met un peu des petits jouets partout. Un peu le désordre, on va dire, on peut mettre. On met un petit. Aussi, cet après-midi, j'ai fait du cheval vers la soirée. Du coup, c'était juste trop, trop top. J'ai vraiment aimé faire du cheval cet après-midi, du coup, voilà. Sachant qu'il faut tout mettre en double parce que c'est des jumelles. Du coup, on met deux cubes. Hop. Ici, on met deux petits lamas. Ouais, donc c'est des petits jouets pour par terre. Donc, on va les laisser comme ça. Ouais! Donc, sachant que j'ai pas mangé. Oui! Sachant que j'ai pas mangé. Donc, voilà. Encore. Donc, après, j'irai manger. Puis, je vous retrouverai. Puis ce soir, je ferai un live sur Instagram. Donc... Oui! Voilà. Donc ça, je vous montre un peu. Donc j'ouvre un peu la fenêtre. Je crois qu'il y a eu mon lapin dehors à ce qui paraît, mais bon, il est pas là. Donc voilà, c'est la fenêtre ouverte. Il fait hyper chaud ce soir. Donc après, on va peut-être la famille des ados pour faire aussi un petit bébé encore. Voilà, donc moi je voulais un garçon et une fille, mais bon, là j'ai eu deux jumelles, donc voilà, on est content quand même. Donc là, ben c'est bon, la maison est terminée, la chambre des petits, voilà, on la laisse comme ça. Puis quand ils grandisseront, on changera les lits. Donc, c'est qui est sur mon live, en fait? Je sais même pas qui est sur mon live. Ok, on entend les cris. Donc, papa, tu vas t'occuper. Et la fille aussi. Ah bah tout le monde vient, regardez, il y a toute la famille qui vient. Par contre, la maman elle vient pas, elle s'en bat les couilles. Oh putain, t'es trop mimi! Oh regardez! Bon, sachant que le papa il a faim, donc on va le donner à manger au papa. Mais regardez, mais je vous montre qui c'est. Donc, ça c'est Clara et ça c'est Clarissa. Ok, on y arrivera. Sachant qu'ils sont tous les deux blondes. Donc, le papa, tu vas aller manger, tu vas les préparer à manger. Ok, donc on va aussi faire la vaisselle parce que sachant qu'ils n'ont pas fait la vaisselle. Voilà, on met pas la table hein. Donc en fait du coup faut que j'enlève encore une chaise ici donc pour mettre un truc pour bébé. Ça aussi j'ai oublié de mettre. Du coup bah c'est super hein, deux jumelles hein, mais il faut s'en occuper hein. Je vais une fois essayer ceux-là, ils sont mignons. Donc, bon, faut faire un peu plus genre fille. Mettre du noir. Mais bon,
Voilà, donc j'ai un peu essayé les deux, quoi. Hein, du coup, c'est très très joli. Hein. Du coup, faut aussi en mettre un là-bas. Donc, on en met un au milieu. Comme l'autre. Donc, la même couleur. Voilà. Ou bien. Ouais, non, on laisse. Au moins, les bébés, ils sont en face. Ils peuvent un peu discuter. Donc, voilà. Allez, on fait ça. On va pas accélérer le temps. Du coup, sachant que la maman, elle va plus travailler, je pense. Enfin, si, mais bon. Bon, papa, tu vas aller manger. Est-ce que tu as faim? Ils sont où, les petits? Ah bah ils dorment, mais... Non mais, non mais... Donc ça c'est Clara. Bercé. Voilà. Oh bah non, maintenant ils dorment. Et maintenant c'est la petite là qui se réveille, putain. On berce elle alors. Oh, Jesus God, c'est pas possible. Ouais! C'est pas possible avec... Bon, là, la fille dorme ensemble. Donc c'est vraiment pas possible. C'est plus possible là. Clarissa, elle arrive à pleurer. Pas billet, je sais pas ce que t'as dit. Mais... Plus de choix. Ah, on peut aussi changer l'âge. Ah, c'est pratique. Ah, oh, c'est trop bien, on peut changer l'âge. On va mettre... Et puis pareil pour elle, on va changer l'âge. Changer d'âge. Allez, donc ils sont des petits bambins. Voilà, on va lui mettre ange. Oh ouais. Bon, je vous retrouve après dès que c'est fait. Donc là, je vous reprends. J'allume plus. Ouais, bon voilà, ça va, il y a la garderie. Non, je vais engager une nouvelle. Donc j'ai des migrants, du coup, faut que je change le lit et tout. Donc c'est parti, on va faire des petits réglages, des petits travaux. On va changer leur lit. Et comme c'est des jumelles, j'ai décidé de mettre des lits... Donc les petits jouets là, on peut les enlever. On va aussi mettre de l'éclairage parce que là, on a remarqué que les lampes ne fonctionnent plus. Oui, les lampes ne fonctionnent plus. Du coup, faut que je mette de l'éclairage. Ah bah voilà. Oui, parce que dans les Sims, il faut quand même changer les lampes. Hein. C'est pour ça que je change les lampes. Je crois que là, il y en a assez. Voilà. Quoi? Mais depuis... Non! Non! Les gens. Ça, ce n'est pas une fille. Ça, c'est un garçon. Et moi, je l'ai appelée Clarissa. Clarissa. Donc, je sais pas comment c'est plus joli les prénoms. Moi, je sais pas comment c'est. Sachant que c'est pas leur chant, prank. Donc, on va juste aussi changer de chant. De lit pour la grande sœur. On va mettre un lit double. Pour la grande sœur aussi. Voilà. Comment la grandeur voilà. Sachant que peut-être qu'elle veut encore jouer là. La...
poupée, mais voilà quoi. Aussi, vous avez rangé. Ah non, c'est une fille, c'est bon. Ouf. Changer de tenue. Alors, allons voir, parce que je sais même pas. C'est une fille ou un garçon, vraiment. Ah non, c'est bon, c'est une fille. On va changer la couche. Il a la petite. Donc, alors, la grande sœur, elle est où déjà. Donc, on va s'occuper un peu de la grande sœur, parce que là, on va laisser un peu... Non, 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 non. En fait, tu vas jouer à la maison de poupée. De ta sœur. Hein. Oui, on va aller voir maman. Maman, t'es où, maman? Merde, t'es au travail, du coup, t'as juste encore le choix, en fait, d'aller voir ta sœur. Mais pourquoi il n'y a pas de lumière, en fait? Ok, attendez, attendez, on a une babysitting, là. En plus, c'est un mec, hein. Bon, les lumières ne fonctionnent plus dans cette maison. Je sais pas quoi faire. Du coup, cette maison est très noire. Parce que si je vous dis, genre, les lumières, elles fonctionnent même plus. Vous pouvez en mettre n'importe où, l'univers ne fonctionnera plus. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi tu es triste, ma chérie? Désolée. Alors déjà, donc tu vas pleurer à ce que tu veux. On va mettre cette tenue là, en plus c'est trop belle. Et aussi tu vas faire tes devoirs. Voici le très cher. C'est qui celui-là là, hein? Bon bah alors on va inviter son meilleur copain. Je sais même pas. Il a le droit. Maman, t'as déjà. Il n'y a jamais de lumière en fait dans cette maison. Je viens de remarquer. Le petit est toujours triste, il est même en colère, du coup, il va briser cette maison. Voilà. Le petit, il va briser. Il va briser. En plus, lui, qui s'en bat la quoi les couilles. Hein. Non, mais. Non mais Marie est tout nue. Bon bah non mais en fait tu mets pas ta tenue, tu vois, je mets ta tenue, tu mets une tenue basique. Allez, tu te dépêches. Ça t'as quoi le temps? Non mais là t'es tout nue, putain. Tout là, je crois.